Le Mexique ne veut plus accueillir les usines des constructeurs chinois. Ah, mais il change d'avis, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs constructeurs BYD, SAIC, Geely, Chery étaient en discussion pour implanter des usines au Mexique. Mais le gouvernement a décidé de ne plus offrir aux constructeurs chinois la moindre aide. Les implantations des grandes usines profitent habituellement de prix très bas. Alors peut-être que les États-Unis ont fait pression sur le Mexicain. Hein. Ouais, c'est ça. Le sujet des VE chinois est peu à peu est devenu un sujet dans la campagne présidentielle, car bien entendu, une production au Mexique faciliterait grandement l'arrivée aux US de ces constructeurs menaçant GM, Ford ou Stellantis. Néanmoins, rappelons aussi que GM a été un des premiers constructeurs non chinois à exporter ses produits en Chine. Ok, bon. Grosso modo, voilà. Ils ont fait pression les US pour pas que les constructeurs chinois s'implantent tout proche des États-Unis pour avoir leur voiture sans importer tout ça, du coup. Et bah voilà, c'est raté pour les Chinois. Ils vont se concentrer sur l'Europe, du coup. Mais il y a déjà pas mal de choses à faire en Europe, hein, pour le coup. Voilà pour ça.